Namari et Meldoniar. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle campagne, enfin, une campagne tout simplement, sur le jeu de rôle Les Chroniques d'Aggaroth, qui va durer normalement, je pense, l'année, sur l'année. Chaque épisode sera mis sur la chaîne YouTube, de toute façon, là sur YouTube. Si vous vous regardez là ici, c'est sur YouTube. Sinon, si vous pouvez être là le samedi, un samedi sur deux, ça sera directement en live sur Twitch avec cette joyeuse bande de Lurons. Salut! Voilà, donc tout ce petit monde. Alors, pour le jeu de rôle, du coup, je serai le maître du jeu. C'est moi qui vais conter l'histoire, c'est moi qui vais leur raconter les événements qui vont leur arriver en jeu. Et à partir de là, ce sera aux joueurs de décider ce qu'ils veulent faire ou non. Nice, l'intro. T'es con, Razak. Razak écrit sur le channel. Razak qui fait du montage et qui va faire du montage. Mais non, mais je répondais à The Net, moi j'aimais bien son sapin. Il va être de corvée de montage. Et donc, du coup, y a pas de... et donc du coup, pour cette première vidéo présentation, je vais vous présenter les différents joueurs qui sont avec nous. Alors moi je suis le maître du jeu du coup, c'est moi qui vais raconter l'histoire. Tout en haut nous avons Asselin Bolger, qui est un hobbit alphelin, interprété par Athelstan. Oui, je suis Asselin Bolger, fils de Glin Bolger. J'ai toujours voulu intégrer l'armée parmi les archers, sauf que mon père était contre ça. Et à ma majorité, du coup je m'entraînais pendant toute mon enfance, je me suis entraîné en cachette. Et à ma majorité, donc à 33 ans, j'ai décidé de m'engager, sauf j'ai été refoulé à cause de ma mauvaise vue. Il est myope. Et du coup, voilà, tout à fait, oui, ça se voit. Hein. Et du coup, là j'ai décidé de partir en aventure, découvrir le monde. Pourquoi je rigole, Razak? Non mais c'est l'autre, je suis avec Razak, putain. Dégage-toi, Razak. Ensuite, après cette alphelin, qui est tout de même, il faut savoir, dans les chroniques d'Aglaros, les hobbits sont reconnus comme de grands archers, de grands maniements, de grands manieurs d'armes à distance. Mais bon, sauf lui, qui est myope. Voilà. Ensuite, en dessous, nous avons, pour aujourd'hui, car le joueur qui est censé être présent à la base n'a pas pu être là, mais vous le verrez sur les prochaines parties, je pense, nous avons du coup avec nous, Flonrir. Bonjour. Alors, je suis Flonrir Ashbrandy, un nain qui est originaire de Kizil Aram. J'ai une famille assez pas prestigieuse mais connue dans le Kizil Aram, car mon père est le capitaine de la garde de fer du royaume et ma mère est une héritière d'un clan qui s'appelle Point Marteau. On sait dans l'histoire de Aglaroth qu'il y a eu une guerre entre les humains de Scarif et les nains, et mon grand-père est mort durant cette guerre, donc j'ai une certaine rancune envers les hommes due à ce meurtre. Une fois ma majorité atteinte, c'est-à-dire environ aux alentours de 80 ans, je décide de partir vers les halls de Thorgrim, qui est la capitale naine, et de commencer une formation d'artilleur. Après de nombreuses années d'apprentissage, je finis maître artilleur, et je suis un peu réputé dans le domaine pour mes fabrications d'armes, dans le domaine nain, donc entre les villes naines et un peu dans le continent, mais pas tellement, juste vraiment chez les nains. Après de nombreuses années, je décide de voyager parce que voilà, je veux découvrir du monde et je veux essayer de trouver des matériaux rares pour me confectionner une arme personnelle. Et donc, à l'âge de 185 ans, je quitte les halls de Thorgrim et je me retrouve sur l'île de Phidias, dans la ville de Bordir, qui sera le lieu de notre aventure. Chut, pas de spoil. Bon, je spoil pas, j'explique. Ok, donc maintenant vous avez découvert du coup notre ami le nain, qui sera là de façon relativement sporadique, parce que le joueur qui est censé être à sa place est un elfe. Oui, c'est un oreille pointue. En dessous de moi, nous avons la dame d'Arda, Mademoiselle ma chérie, tout à fait, Kathleen, qui du coup va se servir de ce micro-là principalement, parce que comme on est à deux dans la même pièce, ça serait con d'avoir deux micros. Hop. Voilà. Hop. Et son PC portable qui est à chier. Donc. C'est ton PC portable à chier. Oui, c'est mon PC portable qui est à chier. Ah, j'avais compris le mien. Mais avantage.
Montage. Et ben moi, je m'appelle Alia Merriwind. Je suis une demi-elfe. Et je suis originaire de la colonie humaine de Glimaville. Ma mère était une noble elfe. Elle a connu mon père qui était un bourgeois humain lors d'échanges commerciaux entre leurs deux familles. Ils se sont aimés en secret. Et je suis née hors mariage. Et du coup, parce que l'union n'était pas permise entre les deux familles. Et du coup, j'ai été élevée par la famille de ma mère parce que les elfes voulant déjà ne pas se traîner plus que ça dans la boue et voulant que je redore un peu le blason, m'ont pris sous leur aile. Du coup, j'ai été élevée et éduquée par les meilleurs elfes de la capitale. Et du coup, j'ai jamais connu mon père. Donc, ayant soif d'aventure, j'ai décidé à ma majorité, à 100 ans, de partir à la recherche de ma lointaine famille humaine, vu que mon père est forcément décédé, vu que j'ai 100 ans. Et du coup, je me suis rapprochée aussi de la culture de mon père. Et du coup, j'ai hérité de la part des elfes d'un pouvoir de divination, mais j'ai pas pu exploiter mes autres pouvoirs magiques, parce qu'il faut être un elfe de sang pur pour entrer à l'académie de magie. Tant vous dire que je n'étais point joie. Ah, si. Et du coup, j'ai décidé de m'atteler à l'apprentissage de la cavalerie et du combat, notamment sur un griffon. Pour le fait que je ne puisse pas faire de magie. Voilà. Voilà, ça c'était, du coup, c'est Alia. Alia. Alia, putain. Alia. 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 Et pour terminer, nous avons notre camarade Razak qui interprète le personnage de Thorvald. Thorvald Mohitake. Donc bien le bonsoir, je suis donc Thorvald Mohitake, orphelin depuis mon plus jeune âge. J'ai été élevé par le forgeron du village qui m'a traité comme son fils et m'a appris le métier et l'art, le grand métier, la grande passion pour la forge. D'où j'ai passé des heures et des heures à manier pour ensuite utiliser mes propres armes et armures pendant mon temps libre, tout simplement, hein, pour m'améliorer, parce que j'adore les armes. Et jusqu'au jour où, malheureusement, il y eut une épidémie dans le village qui décima la population, je fus le seul rescapé. Et depuis ce jour, eh bien, je mets mon savoir-faire et mon savoir technique de l'armement pour la veuve et l'orphelin. Très bien. Alors, nous avons du coup tout en haut un hobbit originaire du royaume de Filas. Royaume hobbit sur le vieux continent, sur le continent principal de Felinyar, dont vous voyez ici sur le live une partie du continent affichée et qui est centrée justement sur le royaume d'Akatal, d'où vient Thorvald, qui est un humain du royaume d'Akatal, du coup, et de Asselin, qui est un hobbit du royaume de Filas, au sud, tandis qu'au nord, voilà, sur l'espèce d'île ressemblant à Numenor. Voilà d'où vient notre cher ami. Et nous avons du coup Alia, qui elle, est originaire du continent des elfes, que vous découvrirez en jeu au fur et à mesure de la campagne. Hein? T'as encore dit Alia au lieu de Alia? Alia, ouais. Alia. Arrête! Alia. Non. D'accord, Alia. Alia. Je vous jure sur ma vie, si tu comprends. Et le Flonrir, le nain qui est originaire d'une certaine cité que vous ne voyez pas sur la carte là non plus, mais que vous verrez plus tard au fur et à mesure de la campagne, peut-être ou peut-être pas. Sinon, vous allez juste aller sur le serveur Discord et vous saurez tout ça. Voilà. Est-ce que tu ouvres Anthropole de maintenant pour savoir à partir de combien de temps on va mourir? Je sais pas. 3 minutes, ça, non. Donc voilà pour les présentations. À partir de maintenant, nous entrons dans le. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, pour suivre la suite des aventures. En tout cas, c'était Galethorn et les membres de la troupe des peuples d'Arda pour vous servir, et on vous retrouve pour la suite des aventures.